Wesh les gars, bio quoi, c'est la coupe longue, mode imbécile infiltré sous couverture médiatique. C'est la coupe longue, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Enfin la vidéo FAQ, de... FAQ les gars. Donc voilà, donc je vous ai demandé de poser toutes vos questions sur la vidéo FAQ spéciale 300 abonnés. Donc maintenant je vais répondre à vos questions, donc c'est parti mode imbécile. Première question de Idir Aju, idiot du village. Ma question, est-ce que tu vas faire un live 24h? Non, je ne vais pas faire de live. Peut-être à l'avenir, plus tard, je vais peut-être faire un live 24h, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Deuxième question de Music Man. Est-ce que tu as déjà mangé le cul à une meuf? Regarde! Voilà, ça c'est les abonnés, ça. Ça, c'est une communauté, ça. Est-ce que tu as déjà mangé le cul à une meuf? Imbécile. Non, faut pas exagérer, non. Troisième question de Soka, Emael et Bambi. PC ou MacBook? PC, frère. Troisième question de la coupe courte. Est-ce que tu t'es déjà branlé? Question suivante. Question de Aziz Aprio. Quel est ton salaire sur YouTube? Ou gagnais-tu un salaire et de combien? Sur cette chaîne-là, je n'ai pas de salaire vu que c'est que le début. Hein. J'ai pas encore de salaire. Mes vidéos ne sont pas monétisées. Mais j'ai des partenariats là, j'ai fait des partenariats avec Gamoniac. Enfin là j'attends leur réponse. Et un partenaire avec Gamoniac et j'attends leur réponse. Et si tu veux savoir avec Gamoniac, ben je vais gagner à chaque personne qui mettra mon code promo, ben, je vais gagner 12€. Donc voilà, en gros c'est ça. À chaque personne qui met. Non, 15€ je pense. Non, maintenant ils ont baissé à 12€. Je vais gagner 12€ à chaque personne qui va mettre mon code promo. Donc voilà. Donc c'est le seul salaire que je vais toucher sur YouTube. Mais sinon, avec mes vidéos, je ne gagne pas d'argent pour la story. Donc voilà. Et sinon oui, avant je gagnais, avec les chaînes que j'avais vu, que j'avais eu avant je gagnais de l'argent. Oui, je gagnais entre 30 et entre 30 et 15 euros ray. Entre 30 et 10 euros ray. Donc voilà, donc je gagnais entre 30 et 10 euros avant, avec la coupe courte, avec la coupe longue des 2600 abonnés, je gagnais entre 30 et 70€. Je gagnais avec la coupe longue des 2600 abonnés. Et plus les partenariats, ben je gagnais. Enfin, rien qu'avec mes vidéos, je gagnais entre 30 et 60€. Et 70€, excusez-moi. Et avec les partenariats, je gagnais 25€ avec Astor Gaming et 15€ avec Gamunak. Donc voilà, avec la coupe longue des 4600 abonnés. Des 2600 abonnés. Et avec Caramel V, ben je gagnais pas vraiment beaucoup, je gagnais 10 balles, 5€, voilà, vraiment voilà quoi. Donc voilà. Prochaine question de Moussa Mohamed Salah. Est-ce que tu as déjà trompé une meuf ou meuf qui t'a déjà trompé? Non, jamais Ray. Jamais de la vie je tromperai une go. Jamais de la vie je tromperai Ray. Jamais. Prochaine question, t'as déjà fait du plaisir aux filles? Imbécile le gamer. Question suivante. Pourquoi tu t'es appelé la coupe longue alors que tu as les cheveux courts, imbécile? Ben si tu regardes mes vidéos d'avant, mes premières vidéos par exemple sur cette chaîne là, ben j'avais les cheveux longs avant. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis la coupe longue. Tu pourras regarder, il faut juste regarder mes premières vidéos et tu verras. Voilà. Question de Idiraju encore, parce que j'avais demandé de poser 3 questions. Idiraju, tu es mon papa ou pas, MDR? Mais bien sûr, imbécile. Toi tu es mon petit nounours avec tes petites mains là. Tu sais, tes petites mains briochées là, tu vois. Imbécile, idiot. Prochaine question de Taku Magic TV. Ton site de cul préféré? Putain, tu m'as tué et comment est-ce que t'as perdu ta chaîne? Ouais, j'ai perdu ma chaîne. La coupe longue, tu parles? Ben, 3 d'auteurs, Ray. Hein, 3 d'auteurs, des vidéos qui n'allaient pas dans le sens de YouTube, etc. etc. Voilà, Ray. Soka, Emael et Bambi. Nike ou Adidas? Nike. Je préfère Nike. J'aime bien Adidas, mais je préfère Nike. S-Fresh, est-ce que t'as déjà mangé ton caca? Regarde, Nike. Ah, frère, mais. Non, ça c'est pas une communauté, bordel de merde. Est-ce que t'as déjà mangé ton caca? Non. Renia Venom, est-ce que tu as déjà mis ton gros orteil déformé dans la rime en forme de fils à bon? Putain, le gros bébé, c'est pas possible. Non, Ray, non. Imbécile. Nerka, est-ce que tu m'aimes? Mais bien sûr que je t'aime, imbécile, idiot. Soka, Emael et Bambi, encore PS4 ou Xbox? Xbox. PS4, t'es fou quoi, Xbox, PS4. la coupe courte, monte ton setup, imbécile. Je ferai une vidéo setup bientôt, vraiment, je te promets bientôt. Désolé. Le gamer a quoi la boule à Z? Jamais, idiot du village, jamais de la vie. La coupe courte, c'est quoi ton travail? Ben, mon travail, c'était travailler sur un site où ils vendent des PC, des trucs high-tech en gros, voilà. Et moi, c'est répondre aux emails et tout, confirmer la demande et tout, etc. C'est des trucs comme ça. C'était ça mon travail. Ice Fresh encore, pourquoi t'aimes les Zizi?
imbécile. La coupe courte, est-ce que tu joueras avec moi prochainement? Bah ouais, pourquoi pas, Ray. Question de Idiraju, sais-tu faire un vlog? Mais bien sûr, idiot, avant je faisais des vlogs, idiot. Enfin, je peux toujours faire des vlogs. Je peux toujours faire des vlogs maintenant, y'a pas de soucis. Hein. Très bien, Venom, t'es 5 youtubeurs favoris. J'ai pas vraiment de youtubeurs favoris, mais en tout cas, le tout premier youtubeur, excusez-moi, que j'ai regardé, que j'ai connu quand j'ai commencé, enfin quand j'étais sur YouTube, c'était K78 en 2012. C'est le tout premier youtubeur que j'ai regardé en 2012, TK. Donc on va dire que c'est lui mon youtubeur favori, on va dire. Mais sinon, je n'ai pas. J'aime bien des youtubeurs, mais pas des favoris, tu vois. Mais en tout cas, TK, c'est le premier youtubeur que j'ai commencé à regarder, le premier. Et après, il y avait CB Games aussi. Couille bleue, pour ceux qui connaissent CB Games. Ça, c'était en 2013-2014. Voilà, c'est tout. Soumia, j'ai le cœur, je te kiffe. Ah, mais merci, Ray, c'est plaisir, ça fait plaisir. Même si c'est pas vraiment une question, mais bon. Une question de Naïm, tu peux faire 5 pompes s'il te plaît? Ah, je te promets, hier je suis parti au basique, mes bras ils sont défoncés. Mes bras sont morts, je te promets, Ray. J'aimerais, mais je pense que bientôt je vais faire une vidéo, un défi où je vais faire 300 pompes, pas 300 pompes d'un coup, hein. 300 pompes, genre je fais tout, je fais 100 pompes, 100 pompes. Je sais pas, non, allez, 200 pompes, je vais faire un défi où je vais faire 200 pompes. Sur la chaîne Caramel V, j'avais fait un défi où j'avais fait 300 pompes ou 200, il me semble, je me rappelle plus. Et puis voilà quoi. Et je vais refaire une vidéo sur ça si tu veux, de pompes. Puis, Naïm, puis-je faire l'outro de la vidéo? Quel outro, imbécile, idiot? Pro Gamer, ta bite fait combien de mètres? Laisse-moi voir ça. 42, frère. Une question de Naïm encore, tu vis où en Belgique? Moi, perso, Waterloo. Moi, j'habite à Liège, j'habite à 4000 Liège, frère. 4000 Liège ici, quand même, tu sais. Tu vois, quel âge est tes musulmans? J'ai roulement de tambour. 17, Ray. 17 ans. Et non, je suis pas musulman. Bill le gros, tu joues à Fortnite depuis quand? Depuis saison 3, Ray. Depuis saison 3 sur manette et fin saison 4 sur PC, Ray. Le gamer, tu aimes les Zizi sous couverture médiatique? Non, imbécile, j'aime les Zizi sous couverture encyclopédiste. Crouton Restauratus, pourquoi t'as pas fait de vidéo sur le Noir Gaming? Ah, le Noir Gaming, bah parce que tout simplement parce que j'avais perdu mon mot de passe et parce que j'avais pas le temps de faire des vidéos sur cette chaîne là et j'avais perdu mon mot de passe, donc voilà. Ice Fresh, caca ou pipi? Pipi. Bibi le gros, pourquoi la coupe longue? Tout simplement parce que avant j'avais un défrisage et mes cheveux étaient longs, donc voilà, c'est pour ça la coupe longue. Voilà, Ray, tout con, frère. Ouli Lili, question de Ouli Lili, pourquoi tu es noir? Parce que je suis des noirs, frère, je ne sais pas pourquoi, imbécile. Pourquoi tu es fort? Parce que je suis fort, Ray, je sais pas pourquoi, frère. Quelle est ta pire coupe de cheveux? Est-ce que t'as déjà mangé ton caca? Voilà, regarde. Putain. Ça, c'est une communauté, ça. Excusez-moi. Quelle est ta pire coupe de cheveux? Ma pire coupe de cheveux. J'en ai pas eu, frère. Est-ce que t'as déjà mangé ton caca? Non, imbécile. Ice Fresh, Pondou, Izzy, Ouzizi. Ah, bon d'imbécile. J'arrive pas à rigoler, ce truc d'eau. Pondou, Izzy. Pondou, frère. Bon, même si j'aime pas trop le Pondou, mais je vais pas dire Zizi, frère. Ice Fresh, Gucci ou Philippe Lain? Ah, c'est difficile. Ben, en fait, vu que moi j'ai pas vraiment beaucoup d'habits Philippe Lain, j'en ai carrément pas du tout des habits Philippe Lain. Si, avant j'avais une veste. Avant j'avais une veste Philippe Lain, mais pouf, c'était avant, c'était un montant, maintenant elle est trop petite. Et sinon là j'ai quasiment pas d'habits Philippe Lain. On va dire Gucci, hein, vu que j'ai des t-shirts Gucci, tu vois. On va dire Gucci, frère, voilà. J'ai rien à dire. Question de Sambu Gang, t'es en couple? Non, je suis pas en couple pour l'instant. Je vais vous dire pourquoi je suis pas en couple, parce qu'en fait le truc c'est que moi, si je veux me mettre en couple, c'est vraiment jusqu'au mariage, tu vois. J'ai pas envie de mettre en couple pour être en couple, tu vois. Genre être en couple pour dire ouais je suis en couple alors que dans 2 ans ça va se terminer, tu vois le truc ou pas? Ça sert à rien parce que déjà être en couple, déjà c'est une perte de temps pour moi. Déjà pour moi c'est une perte de temps. Et aussi parce que, enfin, être en couple là c'est au jeune âge, tu vois, quand t'as les études et tout. Pour moi c'est une perte de temps, tu vois. Moi je préfère être en couple. Je préfère être en couple, bien sûr j'aimerais bien être en couple maintenant, tu vois. Mais je préfère être en couple quand j'aurai déjà une vie stable et tout, etc. Parce que si je veux mettre en couple, c'est directement pour le mariage et pour fonder une famille, etc, etc, tu vois. J'ai pas envie d'être en couple maintenant parce que déjà c'est une perte de temps. Elle va te casser les couilles. Enfin, tu vois, une fille ça demande vraiment beaucoup d'attention, tu vois. D'attention. Et moi frère, j'ai déjà mes bails à faire, tu vois. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment le temps pour être en couple, on va dire. Et puis voilà, tu vois. Et aussi à les études, etc, tu vois, enfin. Voilà, tu vois, c'est trop d'embrouille pour rien. En plus, ça se trouve, dans 2 ans, ça se finira. Donc,
Donc au final, t'es en couple, mais enfin, t'es en couple pour rien du tout, tu vois. Enfin, c'est ce que j'ai dit, quoi, t'es en couple, mais au final, t'as rien eu, tu vois. Moi, si je dois me mettre en couple, c'est pour vraiment jusqu'au mariage, etc., tu vois. Excusez-moi, j'arrive pas à trop parler parce que. parce que je suis fatigué. Et puis voilà. Et puis voilà les gars, donc on a fait le tour de toutes les questions les gars. Et puis voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pendant le set, vous avez la chaîne pour savoir quand je suis la prochaine vidéo. Tout en vous disant à la coupe longue. Ciao les poudons, je vous kiffe les gars. Aujourd'hui un live les gars, un live à 21h30 les gars, 21h30 soyez là les gars pour un live de fou. Bye les gars.